He is in the midst. Bonsoir à tout le monde, nous allons commencer notre session de prière. La Bible dit qu'en deux, trois sont réunis en son nom, il est là présent au milieu de nous. We are going to pour our hearts before God. Nous allons déverser nos cœurs devant le Seigneur. And every time we do that, et chaque fois que nous le faisons, God makes sure that he does not just answer us, Dieu se rassure de ne pas seulement nous répondre, but he also changes us. Mais il nous change aussi. Prayer is not just an expectation of an answer from God. La prière n'est pas seulement une attente de quelque chose qu'on attend de Dieu. Prayer is also an atmosphere for the change of God. C'est aussi une atmosphère pour le changement de Dieu. For those who are watching online, pour les personnes qui suivent en ligne, we are grateful to have you as well. Nous sommes contents de vous avoir aussi. So we are going to open our Bibles. Nous allons donc ouvrir nos Bibles. And use a text of Scripture that will launch us in this time of prayer. Et utiliser un texte des Écritures qui va nous introduire dans notre temps de prière. I'm confident that tonight God will deposit something fresh in our lives. Je crois que ce soir le Seigneur va déposer quelque chose de frais. And the time spent with God et le temps passé avec Dieu is never wasted. N'est jamais perdu. God will never waste your time. Dieu ne va jamais perdre, gaspiller when votre you spend temps. Time with God, quand vous passez du temps avec Dieu, God invests in you. Dieu investit en vous. I want to read James chapter 5. Je vais lire Jacques chapitre 5. This is what it says from verse 13. Voici ce qu'il dit. Verset 13. Is anyone of you in trouble? He should pray. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? If, il prie. I will say that again. If anyone of you in trouble, he should pray. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? There's a response that God expects from us. Il y a une réponse à laquelle Dieu s'attend de notre part. When we see ourselves in trouble. Quand nous nous retrouvons dans les troubles. When we see ourselves in situations that we know we should not stay in. Quand nous nous retrouvons dans une situation que nous savons que nous ne pouvons pas rester dedans. I don't know what's going on in your life. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. I don't know what's going on in your world. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre monde. But you cannot stay where God doesn't want you to stay. Mais vous ne pouvez pas rester là où Dieu ne veut pas que the vous restiez. The time has come for you to step out. Le temps est arrivé pour vous de sortir. And the Bible tells me here. Et la Bible me dit ici. If you in trouble, you are to pray. Que si vous êtes en souffrance, vous devez prier. If you are in trouble, you are to pray. Que si vous êtes en souffrance, vous devez prier. And prayer is a response for those who want the situation to change. Et la prière est une réponse pour ceux qui veulent que la situation change. But also an attitude for those who want to change. Mais aussi une attitude pour ceux qui veulent changer. Are we together? Est-ce que nous sommes and ensemble? And this is very important. Et ceci est très important. The text carries on to say. Le texte continue et is dit. Is anyone happy? Si quelqu'un est content, let him sing songs of praise. Il chante des cantiques. Hallelujah. Amen. So in happiness and in trouble. Donc dans la joie comme dans la souffrance. There's an expression to God. Il y a une expression à Dieu. Called prayer and praise. Appelée la louange, la prière et la louange. So tonight I want us to come with that before the living God. Aujourd'hui j'aimerais que nous venions avec cela devant le Dieu. No matter what our situation is. Peu importe à quoi ressemble notre situation. No matter how troubled is our circumstance. Peu importe combien nos circonstances sont troublées. Prayer and praise to God. Prière et louange à so Dieu. For those who are here with us, donc pour ceux qui sont ici avec please nous, stand up on your feet, s'il vous plaît, tenez-vous debout. And I want us to raise our voices, et j'aimerais que nous élevions nos voix and start lifting up the name of our God, et que nous commencions à élever le nom de notre start Dieu. Lifting up the name of Jesus. Commençons à élever le nom de Jésus. Yes, that is the expression and the sacrifice of praise. C'est l'expression et le sacrifice de louange. The fruit of our lips confessing his name. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Let's raise our voices and pray. Élevons nos voix et prions. Heavenly Father, we give you honor, we give you praise. Seigneur des we have left our homes, we have left our different places and we have come in this particular place, in this venue. We have come together on this platform online to give you honor, to give you praise. We put our trust in you, we put our hopes in you. We turn to you in total surrender. Have your way in our lives, have your way in this place. You are our God and no one can compare with you. La sonda bariba bore bariba shatai. Olai celebre katai mabore bashale. Rea sondore kreba bariba bore mandai kia. Oh, I sing that we thank you, Father. We adore you, Lord. Hallelujah. Here we stand, O God, with all kinds, O Lord, of situations. In all kinds of situations, of all kinds of circumstances, we have an expression, O
Dieu parfait, le Dieu éternel, le Dieu immortel, le Dieu sans limite, mon Dieu, mon roi, ma fierté, Verse 14 of James chapter 5. Le verset 14 de Jacques chapitre 5. The Bible says, la Bible nous dit, is anyone of you sick? Si quelqu'un est malade, he should call for the elders of the church to pray over him. Qu'il appelle les anciens de l'église. And, yes. Et que les anciens prient pour lui. And anoint him with oil. En l'oignant de. In the name of the Lord. En l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Again, he identifies a problem. Encore, il identifie un problème. And the problem is sickness. Et le problème, c'est la maladie. The problem is dysfunction. Le problème, c'est le dysfonctionnement. The problem is something that needs restoration. Le problème, c'est quelque chose qui a besoin de restauration. He says, don't call for the elders of the church for a visitation. Il dit, n'appelle pas les anciens de l'église pour une visite. Or for them to eat your food at home. Ou pour qu'ils mangent votre nourriture. À la maison, let the elders of the church come. Mais que les anciens de l'église viennent for one activity, pour une activité. Prayer. La prière. And I want to tell everybody here, et j'aimerais dire à toutes les personnes ici. We have not seen everything there is to see when it comes to prayer. Nous n'avons encore rien vu quand il en advient à la prière. You cannot imagine what God can do when somebody prays. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu fait quand quelqu'un prie. There's a guy in the Bible calls him Jabez. Il y a une personne dans la Bible qui est appelée Jabez. The Bible says this guy was of a family. La Bible dit que cette personne était d'une famille. And he had brothers. Il avait des frères. In fact, the story that we have in scripture about this guy. En fait, l'histoire que nous avons dans les Écritures à propos de lui. Is so short that you actually wonder why we have the story in the Bible. Est tellement courte qu'on se demande mais pourquoi on a cette histoire dans la Bible. But does those lines tell us? Mais ces lignes nous disent. He called on the Lord. Qu'il a invoqué le Seigneur. He says, if your hand can rescue me from my situation. Il a dit, si ta main peut me secourir de ma situation. And there's like three dots to the prayer. Et il y a trois points à cette prière. And the Bible says, et la Bible me dit, the Lord answered him. Que le Seigneur a the Lord répondu à sa enlarged prière. Them. Le Seigneur l'a élargi. The question is, la question est, what would have happened to this guy? Que serait-il passé avec cet homme? If he never cried out to God. S'il n'avait jamais invoqué le Seigneur. I know the story of a man. Je connais l'histoire d'un homme. He was taken by leprosy. Il était lépreux. And leprosy at that time was so bad. Et la lèpre à cette époque était tellement mauvaise. That they had no cure for the disease. Qu'il n'y avait aucune cure pour cette maladie. And the people that had the disease had to be actually in quarantine. Et les gens qui avaient cette maladie devaient être en quarantaine. It sounds like COVID, right? Ça ressemble un peu au COVID. So the people had to be very far from other people. Les gens devaient être très loin des autres. So they don't contaminate other people. Pour qu'ils ne contaminent pas les autres. But this guy comes to Jesus. Mais cet homme est venu à Jésus. He says, Master, Lord. Et il a dit, Seigneur, maître. If you are willing. Si tu le veux, you can make me pure. Tu peux me rendre pur. He doesn't doubt God's power. Il n'a pas douté de la puissance de but Dieu. He was just questioning if it was God's will. Mais il était en train de remettre en question si c'était la volonté de Dieu. Though he had some uncertainties, bien qu'il avait des incertitudes, question marks, des points d'interrogation, he did not stay home. Mais il n'est pas resté à la maison. And the Bible says he came to pray to Jesus. Et la Bible nous dit qu'il est venu prier à Jésus. Sometimes when we pray, des fois quand nous prions, it doesn't mean we have all the answers. Cela ne signifie pas que nous avons toutes les réponses. We come to the answer. Nous venons à la réponse. And as he comes there, et quand il est venu là, Jesus says, if I'm willing, Jésus a dit, si je le veux, so you're sure of my power, donc tu es sûr de ma puissance, you don't know anything about my will, mais tu ne sais rien à propos de ma volonté. Now, let me tell you, maintenant, laissez-moi vous dire, I don't just have the power to restore you. Je n'ai pas seulement la puissance de vous restaurer. It is also my will to restore you. C'est aussi ma volonté de vous restaurer. And I want to tell everybody in here, et j'aimerais dire à toutes les personnes and ici, those watching online, et les personnes qui suivent
suivent en ligne. It's not just God's power to restore you. Ce n'est pas seulement la puissance de Dieu pour vous restaurer. It's also God's will to restore. C'est aussi la volonté de Dieu de vous restaurer. But the question is, mais la question est, what would have happened to that guy? Que serait-il passé avec cet homme? If he never came to Jesus. S'il n'était jamais venu à Jésus. What are you missing out on? Qu'est-ce que vous manquez? When you don't pray. Quand vous ne priez pas. The guy would have stayed leprous. Cet homme pouvait rester lépreux. Jabez would have stayed in his situation. Jabez pouvait rester dans cette situation. But when a prayer leaves a man's heart. Mais quand une prière laisse le cœur d'un homme. I want to tell you, heaven is not empty. J'aimerais vous dire que le ciel n'est pas vide. There is a God in heaven. Il y a un Dieu dans les cieux. Who answers the prayers of men. Qui répond aux prières des hommes. So if you have a problem of dysfunction in your life. Donc si vous avez un problème de dysfonctionnement dans votre vie. Something is not turning right. Quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Something that needs restoration. Quelque chose qui a besoin de restauration. Now, wherever you are, là où vous êtes, raise your voice, élevez vos voix, and lift up your voice to the Lord, élevez vos voix vers le and Seigneur, ask God for His intervention in your life. Et demandez à Dieu son intervention dans votre vie. Let's raise our voices et levons nos voix et prions. Heavenly Father, here et we bon, come. Seigneur we come boldly before the throne of grace. We say you are the God who answers our cries. The God who answers our cries. The God of restoration. The God of transformation. The God of change. The God of change. We call on you, God of restoration. Our lives are limited. Our lives are limited without you. We want your lives in our families. We want your God in our communities. We want your God in our intervene in our favor. Thank you, Lord. We are going to carry on for our time of prayer. Nous allons continuer avec notre temps de prière. The Bible tells me or gives me the story of a woman. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme. You find it in the book of Matthew and Mark. Vous trouvez ça dans le livre de Matthieu et de Marc. And I want to look at it from the book of Mark. Et je vais regarder ça du livre de Marc. The Bible says in chapter 7. La Bible nous dit dans Marc chapitre 7. Verse 24. Verset 24. Jesus left that place and went to a vicinity of Tyre.
I want to tell someone in this place. J'aimerais dire à une personne en ce lieu. Jesus does move. Dieu bouge. And I want to tell you, he's in this place. Et j'aimerais vous dire qu'il est en ce lieu. When he was limited in the flesh. Quand il était limité par, par la chair. He will move from one place to another. Il allait d'un lieu à un autre. But today Jesus is unlimited. Mais aujourd'hui Jésus est illimité. He is moving in every place at the same time. Il va dans tous les endroits au même moment. And I want to tell you, God is here. Et j'aimerais vous dire que Dieu est ici. Jesus is here by His Spirit. Jésus est ici par son esprit. Jesus is here through the screen. Jésus est ici au travers des écrans. Jesus is here in your life. Jésus est ici dans vos vies. So the Bible says he got to that place. Dans la Bible nous dit qu'il est arrivé à cet endroit. He entered a house. Il est entré dans une maison. And he did not want anyone to know it. Et ne voulait pas que quelqu'un le sache. Yet he could not keep his presence secret. Mais il ne pouvait pas garder sa présence secrète. I believe the same pattern still true today. Je crois que le même modèle reste vrai aujourd'hui. Jesus' presence cannot be kept secret. La présence de Dieu ne peut pas être gardée secrète. Alléluia. Amen. If you want to know how he is present, si vous voulez savoir comment il est présent, you need to learn to call on his name. Vous devez savoir comment invoquer son nom. Prayer reveals the presence of God. La prière révèle la présence de Dieu. Verse 25 of the text tells me. Le verset 25 du texte me dit. In fact, as soon as a woman heard that it was about him, a woman whose little daughter was possessed by an evil spirit came and fell at his feet. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. And the Bible says the woman was a Greek, born in Syria, in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. She left her home. Elle a laissé sa maison. When she heard Jesus was in a particular quand elle a entendu que Jésus était dans un endroit some particulier. Of us have left our homes. Certains d'entre nous avons laissé nos maisons to come here pour venir ici. Because we believe Jesus is here. Parce que nous croyons que Jésus est là. Now, listen to this. Maintenant écoutez ceci. As she's in that place, comme elle était en ce lieu, she begged Jesus elle a supplié Jésus for a situation. Pour une situation. So there's a daughter, donc il y a une fille whose destiny qui avait sa destinée was destroyed, détruite because of a demon possession. Parce à cause d'une possession démoniaque. She was young. Elle était jeune, but with no future. Mais sans futur. I don't know how your life is. Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie. But maybe this is how it feels like. Mais peut-être que c'est à ça que cela it ressemble. It feels like your destiny is not just destroyed. Vous avez l'impression que votre destinée n'est pas seulement détruite. It feels as if your destiny is in the dark. Vous avez l'impression que votre destinée est dans but les ténèbres. This woman knew how to unlock her destiny. Mais cette femme savait comment débloquer sa destinée. Is to come to Jesus. C'était de venir devant Jésus. In prayer. En prière. She did not come with a spirit of entitlement. Elle n'est pas venue avec un esprit comme quoi on lui devait quelque the chose. Bible says she begged him. La Bible dit qu'elle est venue supplier. Listen to this carefully. Écoutez ceci attentivement. Jesus doesn't owe you anything. Jésus ne vous doit rien. But he will bless you anyway. Mais il vous bénira de toute façon. Did you hear what I said? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Jesus doesn't owe you anything. Jésus ne vous doit rien. But he will bless you anyway. Mais il vous bénira. This woman came. Cette femme est venue. She was begging because she knew Jesus doesn't owe her anything. Elle était en train de supplier parce qu'elle savait que Jésus ne lui devait rien. Story, si vous savez quelque chose à propos de cette you histoire, even see that in Jesus answer, vous allez même voir que dans la réponse de Jésus, Jesus showed that he did not owe her anything. Jésus a montré qu'il ne lui devait rien. He said, I came for the children of Israel. Il a dit, je suis venu pour les enfants de les brebis d'Israël, les enfants d'Israël. I'm not going to take the bread of the children. Je ne vais pas prendre le pain des enfants and toss it for their dogs. Et donner ça aux chiens. And the woman answers back to the Lord. Et la femme a répondu au Seigneur. She says, this is my paraphrase. Ça, c'est moi qui paraphrase. I am not part of the people you came for. Je ne fais pas partie du peuple pour lequel tu es venu. But I know how large your power can be. Mais je sais combien large ta puissance peut être. Those you came for can get what you came to give. Ceux qui sont venus sont venus pour no, ce que tu. Those who came, those you came for. Ceux pour qui tu es venu. They can get what you came to give. Peuvent avoir ce que tu es venu donner. But your power is so large. Mais ta puissance est tellement grande. It's not enough for those you came for. Que ce n'est pas assez pour les personnes you may not, pour lesquelles tu es venu. You may not come for me. Tu peux ne pas être venu pour but moi. But I'll find a share in what you have. Mais je vais trouver une part dans ce que tu as. She said even the dogs. Elle dit même les chiens. They eat the crumbs that fall off the table. Mange les miettes qui tombent des tables des enfants. There are only two people in the Bible. Il y a seulement deux personnes dans la Bible. To whom Jesus said you have great faith. En qui Jésus a dit vous avez une grande foi.
foi. This woman, cette femme, fell into that category, est tombée dans cette catégorie. Because she understood, parce qu'elle l'a compris. Jesus doesn't owe me anything, que Jésus ne me doit rien. But he can bless me anyway. Mais il peut me bénir. Peu importe. I want to tell somebody. J'aimerais dire à une personne. Everybody listening to me right now. À toutes les personnes qui m'entendent en ce moment. Jesus can bless you anyway. Jésus peut vous bénir de toutes les façons. And I want us to pray for our destiny. Et j'aimerais que nous prions pour nos destinées. This woman prayed for the destiny of her daughter. Cette femme a prié pour la destinée de sa fille. The Bible says. La Bible me dit. At that moment. En ce moment-là. Hallelujah. At that moment. En ce moment. The demon left the daughter. Les démons ont quitté la fille. Oh, I want to tell you, j'aimerais vous dire, you may not see what is happening in the moment, vous pouvez ne pas voir ce qui se passe pendant le moment, but you don't know what is happening at the moment of prayer. Mais vous ne savez pas ce qui se passe au moment de la prière. She wasn't there with the daughter. Elle n'était pas là avec la fille. The Bible says, la Bible me dit, the demon left at that moment, que le démon a quitté en ce moment-là. When you pray to God, quand vous priez à you Dieu, may not see what he does in the moment, vous pouvez ne pas voir ce qu'il fait sur le champ. But it doesn't mean nothing is happening at the moment of prayer. Ne signifie pas que rien ne s'est passé au moment de la prière. Tonight and right now, ce soir et maintenant, pour your heart before the Lord, déverse ton cœur devant le and Seigneur. Believe in his power that is so large. Et crois en sa puissance qui est tellement large. It's not enough for those he came for. It's not only for those he came for. Ce n'est pas seulement pour ceux pour qui il est venu. Even when you're not Jesus' destination, même si vous n'êtes pas la destination de Jésus, he can bless you anyway. Il peut vous bénir de toutes les façons. Hallelujah. Amen. Now I don't know what you want to see in your life. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez voir dans votre what vie. You feel blocked or destroyed. Où est-ce que vous vous sentez bloqué ou détruit? And the cause can be demonic. Et la cause peut être démoniaque. But it can't beat prayer. Mais ça ne peut pas battre la prière. Oh, did you hear what I said? Vous avez entendu ce que j'ai the dit? Cause can be satanic, la cause peut être satanique. But it can't limit the power of God. Mais ça ne peut pas limiter la puissance de and Dieu. Tonight, all of us, et aujourd'hui, chacun d'entre we're nous, finding freedom from things that have kept us captive. Nous trouvons la liberté dans les choses qui nous avaient gardées. I declare the opening of destiny. Je déclare l'ouverture des destinées. And raise your voice and start praying. Élevez vos voix et commencez à prier. My Father, my God, Jesus the Lord. And here we come boldly before the throne of God. Here we come, oh God, with everything we have. We throw ourselves at you. My Father, my Maker. We throw ourselves at you. My God, my joy and my God. Seigneur de Seigneur. Nous venons à toi. Avec nos familles. Nous venons à toi. Avec tout ce que nous sommes. Avec tout ce que nous avons. Nous venons nous jeter. À tes pieds. Nous venons nous jeter à nos pieds, Seigneur. Nous venons nous jeter à tes pieds. You don't bless me anything. You bless me anything. You bless your people and Yahweh. You bless those who understand that you have what it takes. Seigneur le Seigneur. You have oh yes. Tu as tout ce qu'il nous faut. You have what it takes, oh God, for deliverance tonight. You have what it takes, oh God, for destinies to unlock. You have what it takes tonight. In the name of Jesus, we come, oh God, with everything we are and everything we have. They sold out, dans le nom de Jésus, plus aucune barrière, plus aucune limitation. Je prie que tout ce qui nous retenait, que tout ce qui nous divisait, que tout ce qui nous gardait dans des liens, que tout ce qui nous gardait malade, que tout ce qui nous gardait captif et panel de sa mort, lâche en prise dans le nom de Jésus. Oh yes, c'est toi le plus puissant, c'est toi le plus fort. Oh, personne n'est égal, Seigneur, personne n'est égal. Et tu as fait la puissance éternelle de ta mort pour libérer encore une personne ce soir, un frère, une soeur, un enfant. Listen, people of God. Écoutez, peuple de Dieu. Jesus responded to that woman. Jésus a répondu à cette femme. And he said, "Woman, your faith is great." Et il lui a dit, femme, ta foi est grande. And I want to tell everybody in this place. Et j'aimerais dire à tout le monde dans ce lieu. And those that are watching or listening. Et ceux qui regardent et qui suivent. Because you have come. Parce que vous êtes venu. Your faith is great. Votre foi est grande. And your request is granted. Et votre requête est accordée. If you believe it, repeat after me. Si vous croyez en cela, répétez après with moi. With your eyes closed and your hands lifted avec before vos God. Yeux fermés et vos mains levées devant Dieu. Say after me in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I declare tonight. Je déclare aujourd'hui. A turn around in my life. Une tournure dans ma vie. Every demonic force. Toute force démoniaque. Every power of darkness. Toute puissance de ténèbres. Tonight, because I came to Jesus. Ce soir, parce que je suis venu à Jésus. You're living my life. Tu quittes ma vie.
In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I declare a detachment. Je déclare un détachement of my destiny. De ma destinée. From every power. De toute puissance. From every force. De toute force. In the name dans of Jesus. Dans le nom de Jésus. I declare my life. Je déclare ma vie. At another level. À un autre niveau. Tonight. Aujourd'hui. Jesus, my Lord. Seigneur mon Dieu. Has granted me my request. M'a accordé ma requête. Yes, your request is granted. Oh, votre requête est now accordée. I want us to pray. Maintenant, j'aimerais que nous prions. We're going to pray at another level. Nous allons prier à un autre niveau. The Bible says in every circumstance. La Bible nous dit que dans toutes circonstances. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verse 18. Verset 18. In every circumstance, en toutes circonstances, we need to learn to give thanks to nous devons rendre gloire à Dieu. Listen to me carefully. Écoutez-moi attentivement. There are victories you get. Il y a des victoires que vous avez. Not because your request is clear. Pas parce que votre requête est claire. There are victories you get. Mais il y a des victoires que vous avez. Because your praise is loud. Parce que votre prière est haute. No, your praise. Oh, votre louange est haute. There are victories you get. Il y a des victoires que vous avez. Not because your request is clear. Pas parce que votre requête est claire. There are victories you get. Mais il y a des victoires que vous because avez. Because your praise is loud. Parce que votre louange est haute. I'm reminded of this king. Je me souviens de ce roi. He's attacked by a coalition of kings. Il était attaqué par une coalition de rois. He did not know what to do. Il ne savait pas quoi faire. He even said to God. Il a même dit à Dieu. We don't know what to do. Nous ne savons pas quoi faire. But our eyes are on you. Mais nos yeux sont sur toi. And God spoke back. Et Dieu a répondu. God says this battle. Dieu a dit que cette bataille n'est pas la tienne. J'aimerais dire à toutes les personnes en the ce lieu battle you face la bataille à laquelle vous faites face hands. A changé de main. Come it's no more in your hands. Elle n'est plus dans vos mains. It's into God's hands. Elle est maintenant entre les mains de because Dieu you turned to God. Parce que vous vous êtes tourné vers and Dieu. God spoke further. Et Dieu a parlé encore. He said, let those who praise me. Il a dit que ceux qui me louent. He said, let the priests that are in charge of praise que les prêtres qui sont en charge de la louange walk in front. Marchent and give me praise. Et me loue. And the Bible says they started praising the Lord. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. One line praise. Une ligne de prière. It was not a huge paragraph. Ce n'était pas un long paragraphe. They said the following words. Ils ont dit les mots qui suivent. They said. Ils ont dit. The mercy of the Lord endures forever. La miséricorde de l'Éternel dure à toujours. For the Lord is good. Car l'Éternel est bon. And His mercy endures forever. Et sa miséricorde dure à toujours. That was the only line of praise. C'était la seule ligne de and the Bible says God set an ambush. Et la Bible dit que Dieu a placé une ambush in the camp of the enemy. Dans le camp de l'ennemi. They did not pray further. Ils n'ont pas prié encore. They gave God praise. Ils ont juste loué le Seigneur. There are victories you gain. Il y a des victoires que vous gagnez. Because you give praise to God. Seulement parce que vous avez loué le Seigneur. Thanksgiving. Les actions de grâce. It's praise unto God. Ce sont de louer now à I want Dieu. Us to take 10 minutes. Maintenant, j'aimerais que nous prenions 10 non-stop minutes. Stop focus on God. Sans arrêter, focus sur and Dieu. Give him praise. Que nous le louons. He fights for you. Il s'est battu pour more vous. Than what you see in the field. Plus que ce que vous avez vu sur le raise champ. Raise your voice and start praising. Élevez vos voix et commencez à le louer. Said, praise the Lord. Louez l'Éternel. Seigneur, je magnifie ton Saint-Nom. Seigneur, je loue ton Saint-Nom. Seigneur, je reconnais que sans toi, je me souviens. Yahweh, mon Bimananga, c'est ma wana, le papa. Mon Bimananga, c'est Yahweh, le Nangaï. Comment ne pas exalter ton Saint-Nom? Comment ne pas magnifier ton Saint-Nom? Éternel Dieu de gloire, tu es ce Dieu qui me garde. Tu es ce Dieu qui nous protège. Tu es ce Dieu qui nous donne des victoires. Tu es ce Dieu qui combat nos combats. Éternel de jamais, tu es le Dieu qui nous fait avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Comment ne pas magnifier ton Saint-Nom, papa? Comment ne pas exalter ton Saint-Nom, Yahweh? Réveillez-le, le Saint des Saints, assis sur le trône éternel. Yahweh, tu es parfait dans tout ce que tu fais. Seigneur, mon âme est une reconnaissante encore ce soir. Je suis reconnaissant, Yahweh. Tu es parfait dans tout ce que tu fais. Tu es parfait dans toutes tes voies, Yahweh. Tu es
rappelle en tout ce que tu fais, Yahweh Nagaï. Rebo Sakaralaba, c'était. Des fois, j'ai l'impression que merci est un faible mot devant toi, éternel des armées. Des fois, j'ai l'impression que Dieu merci, éternel des armées, n'a pas le poids, tellement que tu fais beaucoup pour moi. Seigneur le Seigneur, mais c'est le seul mot que j'ai. C'est le seul mot que le dictionnaire nous a donné, Yahweh. C'est le seul mot que nous avons. Je te dis combien, éternel des armées, nous sommes reconnaissants. Merci, papa. Merci, Yahweh. Merci, mon Dieu Nangaï. Merci, papa Nangaï. Merci, Yahweh Nangaï. Merci, mon Dieu Nangaï. Merci pour la croix. Merci pour l'ordre de la croix. Merci pour ce chemin que tu ouvres pour moi. Merci pour ma mari. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour cette église. Merci, éternel, pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Que les pieds encore ce soir. Merci, éternel des armées, pour ces miracles que je vois tous les jours. Merci, éternel des armées, pour l'accomplissement de ces promesses. Ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas encore vu. Je sais que tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Yahweh, j'ai confiance en toi. Papa, j'ai foi en toi. C'est pour ça que je m'approche, éternel. Je m'approche avec assurance du trône de gloire. Seigneur, je m'approche avec assurance de ton trône, éternel des armées. Je dépose à tes pieds toute forme de couronne. Je dépose à tes pieds toute forme à tes couronnes. Et à toi seul, je dis, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, le Dieu tout-puissant, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la louange, le Seigneur des Seigneurs, l'Aigle des Bossetés, l'architecte de l'univers, le puissant Dieu, mon Kondiama Kina, Diana Piganalela, mon Kondiama Nene, Zambé Malamu, Atonda Nambria, Atonda Namogoto, Zambé Nanga, on a toute la cartolo, Lévo Sakara Yabachete, Lévo Sakara Labacite, Rita Tatata, Robo Soko, Lévo Cite, Lévo Chita, Agraka Bossete, Rite Kebo Chab, Lévo Kebo Cite, My God, My Joy, and My Delight, Lévo Sakara Labacite, Labacite, Lévo Chita, Labacite. Écoutez, peuple de Dieu. Wow. The Bible says, oh, la Bible déclare, the disciples came back to Jesus. Les disciples sont revenus à Jésus. They came with the report of victory. Ils sont venus avec des rapports de they victoire. Said, Jesus, even demons are submitting oh, Rabbi, il a dit, Jésus, même les evil, démons nous sont evil spirit are submitting to même us. Les esprits mauvais nous sont soumis. I want to tell everybody in here, j'aimerais dire à toutes les personnes you dans ce lieu, back with a report of victory. Vous revenez avec un Hallelujah. Rapport de victoire. Yes, God will give you tangible results. Dieu va vous donner des résultats tangibles. Tangible results. Il va vous donner des résultats tangibles. Comme ils sont revenus avec des Jesus rapports. Speaks to them inside. Jésus leur a parlé, leur I a saw dit. Satan falling from heaven. J'ai vu le diable tomber de like du ciel. A lightning. Comme un éclair. And I have given you power. Et je vous ai donné la puissance. To walk on serpents and scorpions marcher, and all the power of the enemy. Pour marcher sur les serpents et les and scorpions sur les célébrer de l'ennemi. The fact il dit célébrer le fait. That your names. Que vos noms, I said your names, que vos noms, everybody in this place, toute personne en ce everybody lieu, in this service, toutes les personnes dans ce your service, name, vos noms sont écrits dans le ciel. Because your names are written in heaven. Parce que vos noms sont écrits Hallelujah. Dans le ciel. He who fell from heaven. Il est tombé du ciel. He who fell from celui heaven. Qui est tombé du ciel. Cannot overcome those whose names are written in heaven. Satan ne peut pas vaincre les gens qui ont leur nom écrit dans le ciel. Maintenant, que nous célébrons for Dieu salvation we have in Jesus pour ce Christ. Salut que nous avons en Jésus. Our names are written in heaven. Nos noms sont écrits dans le Come ciel. On, lift up your voice and celebrate the living God. My name is written in the very presence of God. Our names are written in heaven. Our names are written in heaven. We're coming back to God with reports of Seigneur, peace. Seigneur, we're coming back Seigneur, to God Seigneur, with tangible Seigneur, results. C'est un homme que tu as tout fait. J'ai juste dit oui. J'ai juste dit oui. Et j'ai le privilège d'avoir mon nom écrit dans le ciel. Et vous, c'est que je dis à ma sœur. Et les mots, c'est que mon nom est écrit là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Et tout ce qui est tombé du ciel.
Seigneur, n'a pas de pouvoir sur moi, n'a pas de pouvoir sur ma famille. Mon nom est écrit là-haut, mon nom est écrit là-haut. Et le Moshaka, et le Sikere Liyama Sete, et le Sandara Liyama Chute, et le Moshikere Liyama Sete, et le Moshite. Listen, people of God. Écoutez, peuple de Dieu. What God does with you, ce que Dieu fait avec vous, can be extended to your entire family. Peut être étendu à toute votre famille. There's a man who said yes to God. Il y a un homme qui a dit oui à Dieu. In fact, he asked the question. En fait, il a posé la question. How can I be saved? Comment est-ce que je peux être sauvé? Apostle Paul and Silas. L'apôtre Paul et Silas. And they told him. Ils lui ont dit. Believe in the Lord Jesus Christ. Crois au Seigneur Jésus Christ. And you'll be saved. You. Et tu seras sauvé toi. Your destiny will change. Ta destinée va changer. But not just you. Mais pas seulement toi. You with your entire household. Toi et toute ta famille. Hallelujah. You with your entire family. Toi et toute ta famille. I want us to pray for families. J'aimerais que nous prions pour les familles. The destiny we have in Jesus. Les destinées que nous avons en Jésus. Will expand and extends to them. Vont s'étendre en lui. Listen, there's a principle in Scripture. Il y a un principe dans les Écritures. Prophet Isaiah says. Le prophète Isaïe a dit. Because of the juice that is in the grape. À cause du jus qu'il y a dans la grappe. Yes, it is said, do not destroy. Il est dit, ne détruisez pas. Because of the righteous in the sect. À cause du juste qui fait partie de l'ensemble. God says the whole sect is saved. Tout l'ensemble sera sauvé. If God, if there were people that were wicked in your family. S'il y avait des personnes mauvaises dans votre famille. And because of your presence in. Mais à cause de votre présence là. You the one on whom God has His eyes. Vous sur qui Dieu a ses yeux. Because of you. À cause de vous, the whole set shall be saved. Tout l'ensemble sera sauvé. Now, let's pray for our families. Maintenant, prions pour nos familles. And pray for mercy. Prions pour la miséricorde. Pray for favor. Prions pour la faveur. Pray for grace and progress. Prions pour la grâce et le progrès. Raise your voice and pray. Hallelujah. My God, I pray for my house. I bring my entire household. Those attached to my life. I decree and declare in the name of Jesus. Salvation is here. Salvation is come. Salvation now. I pray, oh God Almighty, that you will keep them for your purposes. You will set them aside for your purposes, oh God. My children, yes, my spouse, yes, oh God, my brothers, my sisters, yes, my parents, everybody, oh God, attached to me. And I pray for every family represented in here. I pray that, oh God Almighty, they will see the mighty hand of God. Yes, breakthroughs, favor and mercy, favor and goodness, favor and power, favor. And presence of God in the name of Jesus. Our destinies are secured in you. Our families are saved with you. My God, Lord God. No situation is too hard for the Lord. No situation is too difficult for God. From mental illness to any kind of disease, to any kind of illness. I declare healing. I declare restoration. I declare peace and comfort in the name of Jesus. Hallelujah. Listen, I sense in my spirit. Je sens dans mon esprit. Through this prayer time. Qu'au travers ce temps de prière. The Lord is stopping. A flow of losses. Le Seigneur est en train d'arrêter un flot de pertes. You've been losing too much. J'étais en train de beaucoup perdre. People and things. Les gens et les choses. God is saying through this moment of prayer. Dieu dit qu'au travers ce temps de prière. There is a stop. Il y a un arrêt. To a flow of losses. Au flot de pertes. I want you to declare after me. J'aimerais que tu déclares après moi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I declare tonight. Je déclare ce soir. The end of losses. La fin des pertes. In my family. Dans ma famille. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. I declare today. Je déclare aujourd'hui. The life of God. La vie de Dieu. Multiplied. Multiplié. In the name of dans le nom de Jésus. No more loss of opportunities. Plus de perte d'opportunités. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. In the name of in Jesus. The name, dans le nom as, de Jésus. As we declare these words. Comme nous déclarons ces paroles. I heard it so loud in my spirit. J'ai entendu fortement dans mon esprit. No more losses of opportunities. Plus de perte d'opportunités. In the name of dans Jesus. Dans le nom de Jésus. The Lord is saying.
saying it again. Le Seigneur le dit encore. Things have been slipping through your fingers. Les choses étaient en train de vous passer entre les doigts. That season is over. Mais cette saison est terminée. In the name of Dans Jesus. Le nom de Jésus. No more losses of opportunities. Plus de pertes d'opportunités. The Lord will use those. Le Seigneur va utiliser les portes. To take you to another level. Pour vous emmener à un autre niveau. Hallelujah. In the name of Dans Jesus. Le nom de Jésus. Please repeat after me. S'il vous plaît, répétez après moi. I declare again. Je déclare encore. Tonight. Aujourd'hui, ce soir. Let heaven hear my voice. Que le ciel entende ma voix. Let the earth hear my voice. Que la terre entende ma voix. In the name of Dans Jesus. Le nom de Jésus. I declare over my family. Je déclare sur ma famille. No more losses. Plus de pertes. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. No more losses. Plus de pertes. Of life. De vie. Of destiny. De destinée. Of power. De puissance. In the name of Dans Jesus. Le nom de Jésus. The Bible says. La Bible déclare. The enemy comes to steal, kill and destroy. L'ennemi vient pour tuer, détruire et dérober. But with these words. Mais avec ces paroles. You have stopped his work. Vous avez arrêté son œuvre. Because Jesus has come. Parce que Jésus est venu. To give you life in abundance. Pour vous donner la vie et la vie en abondance. Repeat after me in the name of Jesus. Répétez après moi dans le nom de Jésus. I declare abundant life. Je déclare la vie abondante. One more time, abundant life. La vie abondante. In my family. Dans ma famille. Through my destiny. Au travers de ma destinée. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. God's kind of life. La vie de Jean de vie de Dieu. God's kind of life. Le genre de vie de Dieu. Abundant life. La vie abondante. In my children. Dans mes enfants. In my brothers and sisters. Dans mes frères et sœurs. In my parents. Dans mes parents. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It is done. C'est established. C'est établi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Because no other name. Parce qu'aucun autre nom. Was given to men. N'a été donné aux hommes. By which we must be saved. Par lequel nous devons être sauvés. I declare your family saved. Je déclare vos familles sauvées. Hallelujah. Saved from sin. Sauvées du péché. Saved from poverty. Sauvées de la pauvreté. Saved from stagnation. Sauvées de la stagnation. In the name of Dans Jesus. Le nom de Jésus. Lord God Almighty. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Here we stand in your presence. Ici nous nous tenons dans ta présence. I declare in the name of Jesus. Je déclare dans le nom de Jésus. Unlocking of destiny. Le déblocage des destinées. We will not live below God's plan. Nous ne vivrons pas sous les plans de Dieu, en deçà des plans de Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We will live according to God's will and plan. Nous vivrons conformément au plan de Dieu. And your plan. Et tes plans. Is to prosper us. C'est de nous faire prospérer. Not to harm us. Et pas de nous to give us hope and the future. De nous donner un avenir et de l'espérance. Oh, listen to me. Écoutez-moi. Fear is not your future. La peur n'est pas votre futur. I say, fear is not your future. J'ai dit que la peur n'est pas votre futur. So drop it now. Déposez cela maintenant. This is what I'm hearing God telling me to tell you. C'est ce que j'entends Dieu vous dire. Whatever the shape of that fear. Peu importe la forme de cette peur. It can take the shape of a worry. Ça peut prendre la peur, la forme d'une inquiétude. God says, drop it now. Dieu dit, déposez cela maintenant. Jetez cela maintenant. Fear is not your future. La peur n'est pas votre futur. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Let's give God a hand. He's a good God. Alléluia. 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 Hallelujah. You may be seated in his presence. Vous pouvez vous rasseoir dans sa présence. We are at the end of our session. Nous sommes à la fin de cette session. But I urge you in your own time. Mais je vous prie que dans votre propre temps, take time with God. Prenez du temps avec Dieu. I tell you, je vous dis, there are things that you can never get by your own effort. Qu'il y a des choses que vous ne pouvez jamais avoir par vos propres efforts. It only takes the favor of God. Ça demande la faveur de Dieu. Prayer is a posture. La prière est une posture. Of saying yes to the favor. De dire oui à la faveur. Please don't miss. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. Have a time and a life of prayer. Ayez un temps et une vie de prière. Amen. Amen. So we at the end of our session. Nous sommes à la fin de cette session. I want us to be participants. J'aimerais que nous soyons participants. For those who are on site and online. Pour les personnes qui sont en présentiel et en ligne. Let's give to the Lord. Offrons au Seigneur. Our details will come on the screen. Nos détails vont s'afficher sur l'écran. Or at the end of the stream. Ou à la fin de cette diffusion. Or for those who have the details. Ou pour les gens qui ont déjà les détails. I wire your offering. Et envoyez vos offrandes. The basket will go around. Le panier va circuler. Use all the means.
means available. Utilisez toutes les voies possibles. To give to the Lord. Pour donner au Seigneur. And you will never outgive God. Et vous ne l'allez jamais trop lui donner. He will beat you on this game. Il va vous battre à ce jeu. When you give to the Lord. Quand vous donnez à Dieu. He will outgive you. Il va donner au-delà. Amen. Amen. So that is for today. C'est donc tout pour ce soir. And a few announcements. Quelques annonces. I want you to join us on Sunday. J'aimerais que vous nous rejoigniez ce dimanche. If you are in the city. Si vous êtes dans la ville, this is the place to be. C'est l'endroit où il faut être. This coming Sunday, ce dimanche, from 11, à partir de 11h, here in this building, ici dans ce building, let's come and spend the time together. Venons passer du temps ensemble. A worship experience, une expérience d'adoration, to the living God, au Dieu vivant. Amen. Amen. And I believe with all my heart. Je crois de tout mon cœur. You can never lose. Que vous ne pouvez jamais perdre. When you invest in prayer. Quand vous investissez dans la prière. Never. Jamais. Please don't be fooled by people who think. Ne soyez pas troublés par les personnes qui pensent. That they can just live their lives without communing and communicating with God. Qui peuvent vivre leur vie sans communier et communiquer avec Dieu. The word communication. Le mot communication. Also means impartation. Signifie aussi impactation. So when we say we're communicating with God quand, in prayer. Quand nous disons que nous communiquons avec Dieu en prière. It's God imparting something to us. C'est Dieu qui impacte quelque chose en nous. He imparts. Il dépose quelque chose. Il transfère something. Quelque chose en so nous. So it's important for you to understand. C'est important de comprendre. Prayer is not just a time where you ask God to do something for you. Que la prière n'est pas seulement un temps où vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour it's vous. It's a posture and a platform where God imparts in c'est you. C'est une posture et une plateforme où le Seigneur déverse des choses en vous. So please have a life of prayer. Donc s'il vous plaît, une vie de prière. So let's stand up on our feet. Nous allons nous tenir debout. To have to actually be dismissed from this place. Pour avoir la bénédiction finale. And I want you to understand. Et j'aimerais que nous comprenions. As children of God. En tant qu'enfants de Dieu. You're not here as tourists. Que nous ne sommes pas ici comme des touristes. You are sent by God. Nous sommes envoyés par Dieu. May the Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. May the Lord turn His eyes toward you and grant you grace. Que le Seigneur tourne ses yeux vers vous et vous accorde sa grâce. May the Lord smile at you. Que le Seigneur vous sourie. And give you peace. Et qui vous accorde sa paix. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And today is a special day. Et aujourd'hui est un jour spécial. We're celebrating the birth of Amour right there. Nous célébrons l'anniversaire de Amour. She turns. Can I give them your age? She has no problem with that. She turned 21. That's a great age to have. Yes. That's a great. Wow. Great age. We love God and we love you. We thank God that He put you on our path. You are Amen. A blessing to many. Amen. Let's greet one another with a smile and see you on Sunday. God bless you guys. You are saints. You are saints. I said it.